J'ai l'air comme ça, d'une moins que rien, qu'a pris la vie du bon côté, d'une fille perdue qui va son chemin sans trop chercher à s'y retrouver. Quand un garçon me fait la cour, ça me fait plus rien, j'ai l'habitude, ça m'amuse 2 ou 3 jours. Puis je retourne à ma solitude. J'ai tué l'amour parce que j'avais peur, peur que lui ne me tue à grand coup de bonheur. J'ai tué l'amour, j'ai tué mes rêves, tant pis si j'en crève. Je fais pas l'amour pour de l'argent. Ne crie pas, tu risques d'alerter les voisins. Et puis, de toute manière, tu n'y arriveras pas. Prenez ce que vous voulez, mais me faites pas de mal, s'il vous plaît. Mais on va rien te faire, on est juste là pour parler. Mais prends la pizza et viens t'asseoir. Vous êtes de la mafia, c'est ça? Mais pas du tout. Mais pas du tout, mais viens t'asseoir, je vais t'expliquer, ça sera plus facile. Et plus vite, s'il te plaît. Bon. Pour faire simple, je suis ton moi. Moi ? Oui, le truc de la pensée freudienne, tu vois ? Non, bien sûr que non, pourquoi je pose la question ? Bon, pour faire court et simple, c'est un petit peu... je suis la partie de ton conscient qui gère ta personnalité, en fait. Ma personnalité ? Oui, enfin, et entre autres, j'ai le rôle de... comment dire, interagir avec les autres instances de ton... Bon, tu vas arrêter de me couper parce que ça va être long pour moi et... Pardon, c'est quoi les différentes instances? Les instances, il y a le ça. Le ça et aussi le surmoi et puis bon moi, ton moi, quoi. Voilà. C'est les 3 instances de ta pensée freudienne. Bon, maintenant qu'on est tous installés, on va pouvoir t'expliquer. On peut prendre des mots ? Oui, allez-y. C'est une hawaïenne, j'espère que ça va vous plaire. C'est à l'ananas. Jamais goûté. Vous en voulez ? Non, mais bonsoir. Et du coup, c'est qui le ça et le surmoi ? Je suis le ça. Comme dans le film ? Le film, là, avec les clowns qui mangent des enfants. Mais si, le film, là, avec le petit qui perd son bateau, puis il y a le clown qui dit « Hey, Eddie, tu veux des ballons ?» Ça s'appelle pas Eddie dans le film. Bon, y a pas de débat, là. Moi, je suis le ça de ton inconscient. D'accord? Hein, je suis un petit peu le réservoir de tes pulsions. Voilà. Donc, dès que t'as des pulsions sexuelles, comme ça, bah, c'est moi. Et le hibou, c'est le sous-moi, du coup. Non, c'est le sur-moi. Du coup, t'es au-dessus de moi. T'as pas moi, hein, mais... Bah non. Ouais. Dessin, ouais. Si. Non. Si. Ah bah non. Si. Non. Bien si. Sûr que non. Non mais, je suis le censeur de tout. C'est grâce à moi qu'il fait pas n'importe quoi dans sa tête. Je suis même étymologiquement parlant. Le sur-toi. Tu vois, hiérarchiquement, c'est au-dessus. Logique. Ouais. Ouais, sûr. Mais c'est pas si vieux, toi, c'est comme ça. Mais déjà, t'en mêles pas, s'il te plaît, on est en train de régler un truc, mais non. Vous êtes dans ma tête. Ah, tiens. Merci. Non, c'est moi qui vous remercie. Je disais donc que je suis le censeur de tout, et effectivement, c'est moi qui m'occupe, en fait, que vous fassiez pas n'importe quoi, en fait. Hein. Ok, mais du coup, pourquoi vous êtes là? Tu as un problème. Oui. Ah si tu... Ah alors si. Elle, tu as un problème. Ouais, j'ai pas de problème. Quel genre de problème? Ta vie sexuelle. Ma vie sexuelle? Oui. Ben non, c'est...
Oui, oui. Ah, si, si. Oui, oui. C'était quand ta dernière relation? Je sais pas. Il y a quelques mois, je pense, mais c'est pas... Voilà. Oh que oui. Tu souffres, ma pauvre. Hein? Parce que peut-être toi, tu le ressens pas. Mais nous, là, nous on le ressent. Ok. Dernier pas, moi, je suis désolée. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que tous ces sentiments, c'est... Ça fait des déferlements d'émotions et nous, on se le prend comme ça en pleine tête, toi, tu vois. Je voulais pas vous faire souffrir, moi. Mais t'inquiète pas, mais on était obligés de venir te voir et pour t'expliquer comment ça se passe dans ton inconscient, quoi. Enfin... Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour que vous alliez mieux, enfin, avec qui je dois coucher? Oh, non, je pense... Ben? Ben? Ben. Ben du travail. Ah, Benjamin! Voilà, Benjamin. Voilà. Ouais, Benjamin, c'est vrai qu'il est mignon, Benjamin. Je sens qu'il a énormément de vues sur toi en ce moment. Hein. Ah ouais? Tu devrais tenter quelque chose. Tu penses? Oui. Merci, ça. Pas de quoi. Bon. Allez! Voilà. Parce que t'as l'air fatigué. Tu es fatigué, en fait. Okay. Ouais. Bon, ça a été un plaisir de te rencontrer en tout cas. Une bien belle rencontre. On se connaît déjà, non? Vous êtes dans ma tête. Mais t'inquiète, c'est de la vanne du subconscient, enfin. Ok. Bon, bah. On t'accompagne. Je vais me coucher? Ah, bah oui, ah, oui. Oui, oui. Mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle est conne! Putain, c'est dégueulasse! À ce moment-là? Ah, dégueulasse! Bon, après, regarde tes mains, il y a un Mac, un replay! Et moi, il se fait attention! Non, c'est clair! En tout cas, Jean, tu m'as choqué pour le truc du collègue là! Ah, le coup de. Ah, ouais, sorti Ben! Tu dis Ben, Benjamin, Benoît, à partir du moment où il y a toujours un Benjamin, Benoît que tu connais! C'est excellent comme technique! Non! Pas moi, enfin, je connais ni Benjamin et ni Ben, quoi! T'es con ou quoi? Tu m'appelles comment, moi? Benoît? Ouais, excuse, c'est vrai. Bon, pour la suite, c'est moi. C'est une petite surprise, ok? Ok. Oh. Vous êtes prêts? Ouais. Allez. C'est vrai.